Bonsoir et bienvenue dans l'entre du cafard pour ce 12e stream de notre Let's Play Rimworld Alpha 11, le temple des technoliches. Dans le dernier stream, on a failli créer une deuxième riche. On a failli provoquer la transcendance de Mr. Tofu. Malheureusement, suite à une erreur médicale, il est mort sur la table d'opération. Ce qui est Ce qui va faire prendre un sacré retard à notre planning de création des technoliches, étant donné qu'en plus il est mort à la fin des opérations, donc on a perdu un set complet d'équipement. Mais bon. On va y arriver, on va faire d'autres riches. Sachant qu'on a aussi perdu Shiro et Mr. Luigi dans le dernier stream, rien que ça. Bon. Allons-y. Alors, déjà on a des gens qui dorment dehors, c'est pas normal. Debout, bande de feignasses. Vous avez pas de lit, c'est ça? On peut temporairement vous refiler les lits des prisonniers, vu que la prison s'est un petit peu vidée. Allez vous coucher. Impeccable! Bonsoir la place, bienvenue sur le stream. Ouh, Yann il est en fort sur les jeux de mots là. Je sens qu'on va bien s'amuser ce soir. Alors, qui sont nos médecins? Non, c'est ça que j'ai pas fait pendant l'interstream, j'avais dit que je m'occuperais des priorités. Et je ne l'ai absolument pas fait. Il va falloir s'en occuper. En attendant, on va vérifier qu'on a bien des médecins. Aline, Lordis, Cole, Sylphée, Yoshi et Dum. Donc il y a quelqu'un qui peut aller s'occuper des gens là? Urgemment, s'il vous plaît. Allez, quelqu'un là, Lordis, Cole. Non. Ah, Astopi, on va s'en occuper, d'accord. Messieurs les malades, vous êtes priés, je vous le rappelle, de rester au lit. On a perdu assez de personnes à cause de maladie. T'as développé une immunité, bon, bah ça c'est fait. On a notre riche. Oh, on a une yogi. J'avais pas vu que t'avais une cicatrice à l'œil. Va falloir qu'on répare ça là. Hop là. Et toi, il te manque un bras, Erwan. On n'était pas censé... Si, on l'a fait, l'Advanced Prosthetic. Parfait. Bras droit. Hop. Et toi, t'as développé l'immunité. Ah, bah c'est bon. Bien. Ça, c'est fait. La bouffe descend. On a 2700 de bouffe. Ouais, c'est vrai qu'on fait plus pousser de patates pour l'instant. On fait pousser un peu d'oxyrigium. Est-ce qu'on en a... On en a des stocks, maintenant? On en a combien? Voyons voir... 168? Oui, ça devrait suffire pour l'instant. On va arrêter de faire pousser du xérigium, on va refaire pousser de la patate. C'est parti. Hop là, un petit peu de patate. Bonsoir Space. Bienvenue sur le stream. Est-ce qu'il y a une animation quand ils jouent au billard? Bonne question. On vérifiera ça. Je pense pas. Hein. Je pense qu'ils vont se tenir devant et c'est tout. Fais du riz pour changer? Non, c'est bien la patate. Alors on a des colons qui ne font rien. Pourquoi vous faites rien? Normalement il y a toujours des trucs à faire. On va faire un petit peu de mining peut-être? Continuer à remplacer les murs de la colonie? Ah, c'est vrai qu'on a fini notre magnifique ligne de défense. Ça fait plaisir, ça. Hop, on va faire quelque chose comme ça. Non. Cafard, tu commences à faire des conneries. On va éviter de creuser la prison. Donc vous... Voilà, ça on peut creuser, il n'y a pas de prisonnier dans cette partie-là. Ça c'est bon. Parfait. Bien. Est-ce que tu es mort, Space? Je ne pense pas. On n'a pas eu... Space, non, t'es toujours vivant. Les seuls morts qu'on a eu dans l'épisode précédent, c'est Shiro, Luigi et Tofu.
Allez, on va améliorer nos murs. Hop, 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 hop. Mur en quoi? Qu'est-ce qu'on a comme pierre? C'est du marbre, hein, principalement. Il y a où mur en marbre? Marbre. Hop là. Et vous me faites ça bien, s'il vous plaît. Combien de morts en tout sur cette saison? Ah bah, je sais pas. S'il y a quelqu'un de motivé, il peut faire le tour des vidéos YouTube et essayer de compter. Mais il doit y en avoir. Il doit y en avoir. Je vais pas trop me mouiller sur un nombre là. Valentin, dans la liste d'attente, tu es deux personnes. Le prochain c'est Guardian et après c'est toi. Combien de morts importants, posons les bonnes questions. Ah non, on va pas entrer dans ce débat. Hein. Tout le monde est important dans la colonie. Bon, bah on a une jolie récolte de coton qui s'amorce. Est-ce qu'on a quelqu'un qui craft du cloth là? Une personne? Ah non, pas là. Là, faire du cloth. Et Bâtonero qui s'en occupe, d'accord. D'accord. La guiche Zeri, qu'est-ce qu'on a? On a quoi? On a un cerveau, un œil, un autre œil, un deuxième cerveau. Hein. Oreille, oreille, spine, bras, bras. Il manque quelques trucs encore, il me semble. Il manque deux jambes. Ok. On va pouvoir fabriquer une autre guiche bientôt. Ah oui, donc vous avez dit qu'il nous fallait des tabourets par là. Quelque chose comme ça en acier, ça sera très bien. Alors il paraît qu'il y a un sens. Hop. Un sens à un tabouret, c'est un peu ridicule, mais bon. Allez, allez, grouillez-vous là! On a du boulot, nous, hein? Steak de cerveau de tofu. Ah non, on mange pas les. On mange pas les colons. Désolé. Cacher la couleur des zones de stockage. Yep! On le fera sûrement dans le temple une fois qu'on sera sûr que. On stocke bien tout ce qu'il faut. Pour l'instant, ça va. Oh! Encore quelqu'un qui a besoin de notre aide? Il est chassé par des Outlanders, il a 67 ans. Ok, alors. Tout le monde. Restriction intérieure, tout le monde rentre. J'espère que tu te déplaces vite parce que sinon tu vas prendre cher. Double cataracte, rien que ça. T'as de la chance que ça se traite chez nous. Allez, rentre. T'as intérêt à te déplacer vite, sinon tu vas crever. Ah, il fait moins 32 à l'extérieur. Ok, et voilà, bon. On va avoir l'occasion de tester notre toute nouvelle ligne de défense. Ça a saigné. Allez, Inga, grouille-toi là. Allez, 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 allez. On sort pas pour te sauver. La dernière fois qu'on est sorti, on a eu des morts. Ok, ils arrivent bientôt. Tout le monde en position. Ça va chier. Le pire malus pour un colon, c'est blessure grave au cerveau. Non, 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 pas bad back. Blessure grave au cerveau, c'est horrible. Souvenez-vous de Hodor. Souvenez-vous de Hodor de l'Alpha 10. Lui, c'était quelque chose. Prostophobie. C'est pas faux. Ouais, c'est vrai qu'avec ce mode, ça se soigne les blessures au cerveau. Mais sans le mode, ça se soigne pas. Ah non, coupez pas les arbres, on s'est fait chier à les planter là. Allez, allez, tout le monde en place. Et bonsoir Maverick.
Mais ils ont foutu le feu à la forêt! Qu'est-ce que vous avez contre les arbres, hein, franchement? Ah. Il y en a encore qui se sont décidés à aller par là. C'est bon, il s'enfuit. Un petit dernier pour la route, là. Ah, butez pas ceux qui sont à terre, merci. Bon. Impeccable. Alors. Voyons voir. Inga. On peut pas juste améliorer. Alors, on peut soigner ta blessure au torse. Et par contre, pour les yeux, va falloir t'implanter des yeux. Il va falloir faire pousser des yeux. Organe vat. Allez, on fait pousser deux yeux. Hop là. D'accord, ça c'est fait. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu vas ramasser comme tout le monde. Tu vas faire les trucs que tout le monde fait. Voilà. Et qu'est-ce que tu sais faire d'autre? De l'art. De la construction. Non, pas de la construction. De la chasse. Et de la cuisine. Tu sais chasser? Oui, tu sais chasser. Ok, on va te foutre un... Il y a une arme pour toi. Il y a un fusil à pompe qui traîne là. Hop là. Enlever les arbres de la home zone et la zone de pousse après la plante, ils y toucheront plus. Oui, c'est ce que je vais faire ça, ouais. Et ton nom, tu vas t'appeler... Guardian le pape. C'est parti. Oups. Oula, apprends à écrire, cafard. Guardian le pape. Voilà, bienvenue parmi nous, Guardian. Bienvenue. Et puis, vous êtes tous libres, en restriction. Enfin, presque libres, hein, comme d'habitude. Ok. Très bien. Allez, m'éteindre cet incendie, là. On a des gens à capturer en plus. Est-ce qu'on a quelqu'un qui court vite dans le tas? Bonne question. Bon, éteignez-moi ça déjà. Essayez de sauver les arbres qui peuvent être sauvés. Et ensuite, on va récupérer du stuff. Alors, ça on récup. Est-ce qu'il reste ça? Ça. Et ensuite, il faut récupérer des gens. On a 3 personnes à récupérer. Transforme Guardian direct en riche pour lui faire chier. Ah, c'est vrai, c'est pas lui qui veut de... qui veut pas de technologie? Attendez, là. Hop. On va pas s'emmerder pour quelqu'un comme ça, quand même. Il veut pas de technologie, hein. Alors là... Il est où? Où qu'il est? Guardian. Tiens. Tout au naturel. Nameo. Tu recevras des implants quand tu en seras digne. Pas avant. Donc on a besoin de 3 lits de prisonniers de plus. Oups. Vous avez pas fini de construire le truc, la bande de nazes? C'est pas une cellule, ça. À poil au naturel. Ah non, quand même, j'en suis pas là. Alors, une capture, 2 captures et 3 captures. Bien. Et hey, bonsoir les bâtonneros, bienvenue sur le stream. Bon bah ça va, on a sauvé la majorité des arbres. Puis avec la chaleur, ils pousseront plus vite. Pas comme ça que ça marche. Alors les petits nouveaux, Mei Mei, tu
Tu es difficilement recrutable et tu sais pas crafter. Ouais, il y a plein de trucs que tu sais pas faire. Tu sais pas ramasser. Non, ok, toi t'es. Nope. Tu vas avoir un friendly chat et c'est tout. Yolanda. Tu es très difficilement recrutable. Tu es incapable de crafter. Tu es prostophile, ça compense. Est-ce que tu sais faire des trucs bien dans le temple? Cooking, growing. C'est pas exceptionnel quand même, hein. Bon, tu sais ramasser. C'est peut-être le plus important. Allez. Hop. Et on avait une troisième personne qui n'est peut-être pas encore arrivée. Si? Si. Axel. Oula, très difficilement recrutable. Encore un artiste. Social melee shooting. Lazy et pessimiste. T'es vraiment pas génial, toi. Hein? Bon, écoute. Friendly chat, on va pas s'emmerder. On te vendra dès qu'on a un marchand d'esclaves qui passe. Hey, bonsoir Morio, bienvenue sur le stream. Bon. Alors. Donc ces cellules ont été réhabilitées. Marchand pirate. Ah. On a deux personnes à vendre, non? Axel et. Et. Meimei. Oh, j'ai failli dire où est Mister Tofu pour aller les contacter. Je crois que je vais avoir un petit peu de mal à m'y faire. Qui est notre meilleur warden? On a Yojimbo à 10, on a Anaïs à 13. Anaïs. À partir de maintenant, Anaïs, c'est toi qui contactes. Je pense que sur la ligne de défense principale, je vais pas mettre de tour automatique, non. Donc on a dit qu'on vendait Meimei. Excusez-moi. Et c'était qui autre? Axel. Hop là, on les vend pas cher, hein. Ils valent pas grand chose. On aurait peut-être dû attendre de les soigner, mais écoutez, il y a un marchand qui est là, on vend. Hein. Alors ensuite, on va vendre toutes les armes pourries, à savoir les survival rifles, les pistolets, les grenades, le lanceur incendiaire, les grenades EMP. On va garder les charge rifles. On va vendre tous ces équipements pourris là, voilà. Donc on garde les charge rifles. Les fusils à pompe et les snipers. Ah, et on vend les pièces d'artillerie. Bien. Cool. Alors, est-ce qu'on achète des médocs ou pas? On pourrait acheter des médocs, ça accélérerait la. Peut-être la construction des lits médicaux de l'infirmerie. Allez. Hop. De toute façon, c'est pas avec 100 qu'on va se ruiner. Hein, c'est parti. Avec 9 qu'on va se ruiner. Pourquoi j'ai dit ça? Bon. Du coup, celui-là n'a plus besoin d'être un guide prisonnier. Yolanda, on s'occupe de toi? Ouais. Hey, bonsoir Mr. Luigi. Bon, on a fait le ménage là. Ah non, il nous reste ça à récupérer. J'espère qu'on n'est pas en train de démonter les armes de corps à corps. Il faut toujours qu'on en récupère une bien pour je sais plus qui là. Ah, stop. Ok. Des beavers. Ils vont encore nous bouffer nos arbres, ces enfoirés. Non, mais il y a des trucs à chasser là aussi. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire en attendant? Je suis sûr qu'on a encore plein de trucs à faire. La récolte, ça va. Les lits, c'est fait. On a encore des lits à transformer là. On en est à refaire ces lits là. Hop. Ah. C'est fait. Non, il manque une jambe encore.
Bien, 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 bien. Hop. Donc, il nous faut des lits. Comfy bed, c'est parti. Ici, là. Ici, il nous en manque un, là. Vous êtes en train de déconstruire, ouais. Allez. Est-ce qu'il s'en occupe en Tratrax? Parfait. C'est dans quel sens, là? Comme ça, hop. Ah, c'est vrai, je sais pas encore qui va être la guiche. J'ai pas encore décidé. Ça va dépendre des compétences de... Il va nous falloir un bon médecin en fait, donc ça va être un bon médecin. On va voir qui est bon. Et on va le choisir. Oh, un raid, un groupe de pirates. Ils sont où? Ils viennent de l'ouest et ils sont assez nombreux. Alors tout le monde, rentrez vite. J'aime pas trop ça, là. Kizo, casse-toi. Non mais genre vite. Vite, vite. Genre, genre super vite, quoi. J'espère que tu cours vite, toi. Ils vont se préparer un peu avant de faire un raid, c'est ça? Solar Flare, on s'en fout. Ouais. Ok, on dirait qu'ils se préparent un peu. Très bien. Yogi, qu'est-ce que tu fais? Casse-toi. Personne dehors. C'est pas le moment. Bah, pourquoi on a plus de courant? C'est quoi ce bordel? C'est une solar flare. Hein? Ah, ça empêche tous les trucs de fonctionner. D'accord. Ok. J'oubliais la Solar Flare, oui. J'ai vu Solar Flare, mais j'ai pensé à une éclipse. Et Yogi a pété un câble. Qu'est-ce qui t'arrive, Yogi? Nous attaquer au cac avec des boucliers personnels? Ouais. Ouais, ouais, on peut attaquer au cac avec des boucliers personnels. Les boucliers empêchent l'utilisation des armes à distance. Marchand d'esclaves, on s'en fout. Ça doit être ça, ça doit être ça, cette fameuse auréole. Genre comme... comme lui, là. Ça. Là, lui, il a un bouclier personnel. Donc, tous ces petits malins, ils vont où, là? Ils essaient de rentrer par l'entrée principale, ou pas? On va avoir besoin de tout le monde, encore une fois. Hop. Pourquoi je peux pas... Ah, à cause de Yogi. Yogi, tu gênes. Oui, c'est une bulle, oui. Yep, il vaut mieux que les tourelles soient manuelles. C'est pour ça, je pense que c'est pas mal comme ça. Ils ont des lance-roquettes. Intéressant. Allez, go out, Erwan. Bougez-vous tout le monde là. On va avoir besoin d'un maximum de défense. Oula, j'ai... Y'a quelqu'un qui sort là? Non, Cafardounet, tu restes à l'intérieur, merci. Ok, il y en a un paquet qui vont essayer de rentrer par la centrale. Il faut espérer que nos défenses suffisent à les ralentir. Hop. Ah mais non, notre défense automatique elle fonctionne pas en plus, c'est la merde. Allez bande de nazes aux tourelles. J'aimerais une commande automatique pour balancer tout le monde aux tourelles, ça m'arrangerait. Ok, je pense qu'on est bien là. À peu près toutes les tourelles sont occupées. Allez.
Une seconde porte près des chauffages. C'est possible, en effet. Ça pourrait être utile, ouais. Allez, cassez-vous, là! Où est-ce qu'il y a un incendie? Comment ils ont réussi à faire cramer un mur? C'est bon! C'est bon, il s'enfuit. Oh, vous avez le droit de partir, vous. Donc, restriction. Vous êtes tous sans restriction maintenant. On a combien de personnes à capturer? 2. On a un petit peu de stuff à récupérer, comme d'hab. Hop. Voilà. Tout ça. Ensuite, donc 2 personnes à capturer, on a combien de places en prison? Ça, on peut faire passer ça en guide prisonnier. Normalement, tous ces gars sont déjà des guides prisonniers. Donc on a 2 places libres, ça tombe bien normalement. Alors, Franck, tu vas capturer celui-là. Et Dom, tu vas capturer celui-là. Impeccable. Raccourcissez les murs au niveau de l'éolienne. Ouais, bah je pense que de toute façon, on va... Allez, il a pété un câble. Laissez-le dans son coin. Vous occupez pas de lui. Il va se calmer. Sinon, vous lui donnez d'un petit coup sur la tête, là. Aguin, tu restes calme. Tu laisses Franck tranquille. Franck, casse-toi. Arrête. Nous oblige pas à te taper dessus. Allez, Aguin, ça suffit. On va avoir besoin de toi, en plus. Allez. Allez, Franck, tu vas le perdre dans la forêt. Vas-y, cours. Cours. Le sacrifier pour récupérer ses organes. Oh non, on n'en est pas là. Hein. On lui fait pousser les organes. Bon, ça devrait aller. Tu peux attirer Aguin assez loin. Je pense que ça devrait marcher. Bien. Et bonsoir, Gilgamesh. On n'est pas allé chercher... Attendez, là. On n'est pas allé chercher, lui. Apparemment pas. C'est peut-être à Aguin qu'on l'a demandé. À tous les coups, ça devait être ça. Donc, il va falloir qu'on continue notre ligne de défense par ici. Oh, un colon a besoin de traitement. Ah. Non, bah c'est rien. Aguin s'est tapé un... Aguin s'est tapé un écureuil, parfait. Du coup, Franck... Vas-y, profite, fais le tour. Bonsoir le rapace. Merci d'être passé et puis bonne chance pour tes vendanges. Enfin, bonne vendange plutôt. Hop là. On a perdu le fil. Voilà, quelque chose comme ça. Avec des embrasures. Security. Super. On va réussir à faire quelque chose comme ça. Ouch! Aguin s'est fait défoncer par le cerf. Ok, quelqu'un pour sauver Aguin, s'il vous plaît? Erwan. Vas-y, va sauver Aguin. Non mais Aguin a quand même réussi à buter un écureuil et un lapin et à s'attaquer à un cerf. Finalement, j'aurais peut-être préféré qu'on lui tape dessus nous-mêmes. La musique bénigne pour la vidéo, c'est vrai que ça serait bien allé, mais j'ai eu assez de copyright strike comme ça. Fais gaffe, Rezofi, je crois pas que ce soit toléré sur YouTube. Oh, Yann, quand même. Boucher le trou à gauche. Quel trou? Quel trou? C'est vraiment moche à côté de la défense. Je sais pas de quoi tu parles, en fait. Hmm.
Bon. Franck, rentre. C'est bon, Erwan est récupéré à Guigne. Une porte à gauche d'échauffage. On peut faire une porte ici. On peut faire une porte grave. Oh là, je suis en train de frouiller la connerie là, moi. Cancel. What? Mais on vient d'essuyer un raid. Oh putain, ils sont nombreux encore, eux. Ok, tout le monde rentre. Andy! Qu'est-ce qu'on a dit sur les raids? Là, t'y vas mollo, hein?